Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. La bouche. Pour un nouvel épisode d'Alien Isolation, beaucoup plus tôt que prévu. Enfin beaucoup, une journée d'avance. Vu que week-end de 3 jours, je ne suis pas là. Voilà. Bon, en fait, on va couper la lumière. Éteignez la lumière. Voilà, mieux. Du coup, on est parti pour la suite. La dernière fois, on avait réussi enfin à rapporter la trousse de soins pour notre copine qui est par terre. Et on a fait la jolie connaissance du Marshall à qui j'ai mis un coup de clé dans la gueule à la fin de l'épisode. Hein. Voilà. Du coup, on est parti pour la suite. La bouche. Donc, faut que j'aille... Très rassurant cet endroit. Ok, donc sa traduction, ne surtout pas ouvrir. Il me reste quoi au niveau pile? Putain, il me reste qu'une. Vers le contrôle des transettes. Maintenant je sais qu'il est là. Je suppose que c'est ça qui va me permettre de les réactiver les transits. C'est quoi ces... C'est quoi ces trucs sur le... Merde, quelqu'un a tout éteint. Ben, voyons. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Tu vas te calmer, espèce de taré d'androïde! J'arrive pas à croire que ces ordures m'aient viré. J'en ai déjà assez bavé pour sécuriser cet endroit. C'est la dernière fois que je vois rien à quelqu'un. C'est grave, j'y vois rien. C'est terrible. Je vous jure que vous irez nulle part. Les gens comme toi méritent même pas de vivre. Tu l'as bien cherché. Ah, une balle, il est mort. Tu vas me rembourser mes balles, bien sûr. Bien. Fumigène, j'en ai 6. Émetteur de son. Bombe fumigène. Grenade aveuglante. Mini EM. Cocktail molotov. Bombe tuyau. Medikit. Et taser, j'en ai 2.
c'est un droïde qu'il y a de l'autre côté. Oh. Bon. Maintenant, faut que je trouve. La batterie. Activer le courant de secours. Intérêt. Point de découpage. Il y a rien ici. Il y a rien ici. Ok, donc faut que je retourne en arrière. Super. Je n'ai pas le chalumeau. Ça, je peux pas y aller, c'est fermé, c'est bloqué, enfin c'est cassé plutôt. Ah, ok, elle était là. Désactiver le verrou de sécurité. Laisse-moi tranquille, saleté. Pas vrai ça. Oh, ils sont chiants. Faut que je reste appuyé. Ah, enfin! On va sauvegarder, bien sûr. Ah. D'accord, donc le chalumeau je peux pas utiliser en dehors des zones prérequis en fait. C'est vachement rapide pour découper au chalumeau je trouve.
tiens à le dire. J'ai eu quelques soucis, il va me falloir un petit moment pour revenir. On peut attendre. Pas Taylor. Je prendrai la prochaine voiture. À vous de voir. Bah tiens. Comme par hasard. Ici, ça m'a l'air d'être une zone safe. Je suis Sinclair. Il nous faut des provisions. Prenez ce que vous pouvez, ce que bon vous semble. J'ai trouvé une zone dans les quartiers d'habitation où on pourra s'enfermer en attendant les secours. Les hommes sont en train de souder les conduits et de désactiver les ascenseurs. L'objectif est de rendre l'endroit imperméable. On ne peut pas accueillir plus de monde dans le sanctuaire, mais on peut quand même faire de la place pour des vivres, des médocs, de l'eau et des armes. Si on veut que tout le monde s'en sorte vivant, va falloir laisser la pitié de côté. Tu peux rien faire avec ça? Non, bon. Voilà, ça c'est typique le genre d'endroit où je peux tomber dessus, quoi. Je suis revenu là. Oh. Ripley, j'ai entendu des voix en partant. Faites gaffe. Bah t'as juste entendu les voix mon con hein, parce que... Ok j'ai un lit. Il a peut-être trouvé un meilleur endroit à dévaliser. Ou un moyen de quitter Stade Ferraille. Ça, ou alors c'est aujourd'hui le jour où on s'enferme enfin dans les quartiers résidentiels. Quatre. Je crèverai pas ici, pas question. Appel à destination de la tour d'habitation Solomon. Tu peux me rappeler pourquoi j'ai accepté ce contrat? Impossible à arrêter. Donne-moi un bon nombre de tirs et tu peux dire au revoir à cet enfoiré. Quatre. Pour les perturbations affectant actuellement le service. J'aurais pu les tuer, mais bon. Valait mieux pas. Enfin, j'aurais pu essayer de les tuer au fur et à mesure, mais bon. Valait mieux tenter le quota discret. Alors, du coup, je vais regarder vite fait qu'est-ce qu'il me reste comme jeu à faire.
S'il y a un mode histoire, celui-là je le ferai, celui-là je suis en train, celui-là je le ferai après, celui-là je le ferai peut-être mais avec Bichette, celui-là il faudra que je le termine, celui-là je le ferai, celui-là je le ferai, celui-là je le ferai, celui-là je le ferai, celui-là je l'ai fait, enfin faut que je le termine, faut que je le reprenne plutôt. Enfin bref, vous avez de quoi faire, enfin j'ai de quoi vous faire. On est dans le bureau du marshal. Tournez à droite en haut des escaliers. Vous pouvez pas le rater. Pas de comité d'accueil. Bon, allez, ramenez-vous. Terminé. Il a dit en haut des escaliers à droite. Hein. Donc ici. Ouais, c'est ça. RIP Sébastopol. Du calme, on est en sécurité là. Ouais, c'est un plan. Un plan? Sérieux? Ces putains de plans lui ont pas vraiment réussi jusqu'ici. Et vous? Vous avez fait remarcher le transit? Bien joué. On sera peut-être en sécurité ici. En tout cas pour l'instant. Comment va Taylor? Son état est stable. Elle sera remise sur pied en un clin d'œil. Samuel, c'est avec elle. Bien. Vous avez réussi à rétablir le transit. Je pense qu'on est quitte. Où est Ricardo? Il prépare la suite. Je suis occupé, comme vous pouvez le voir. J'ai mis Marlowe au trou. Vous savez, le voyou qui s'est ramené avec votre boîte noire. Où est le vaisseau de Marlowe? La Nessidora? Il l'a mis en orbite d'attente autour de la géante gazeuse. Ce fils de p*** va lui donner les codes de contrôle pour qu'on puisse le ramener en automatique. Peut-être que vous aurez plus de chance avec ce bon à rien. Allez lui parler. Mais bon, je préfère censurer. Bon, remarque, je pense que vous avez entendu bien pire que ça. Je sais ce que t'es, toi. Je sais ce que tu es, toi. C'est toi, Marlowe? Marlowe? Qui le demande? Je m'appelle Ripley, je suis de la compagnie. Déjà là pour vous plaindre que votre boîte est vide? Vous, vous êtes pas du genre à lâcher l'affaire. Je suis là pour des raisons personnelles. Ma mère était sur le Nostromo quand il a disparu il y a 15 ans. Sérieux? Merde. Basse. Putain. On n'a jamais trouvé son vaisseau, Ripley. Juste la boîte noire. Ouais, enfin, vous avez bien aussi trouvé autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Faut que je foute le camp d'ici, Ripley. Peut-être qu'on peut s'arranger. Racontez-moi tout. Je veux tous les détails. Comment c'est possible? Elle était toute seule. Aïe. À moins que Isaac. Bah non, Nostromo, il a été détruit. Non? Je sais plus. Oh, faut que je me les remette. De toute façon, je suis en train de dire une connerie monumentale. C'est bien, ma tête elle est au niveau de, du truc de Charlemagne. Tu me reçois, Lewis? Bon, vous allez pas commencer. On se concentre sur notre objectif. Je veux aucune erreur. C'est déjà pour faire. Gardez l'œil ouvert.
m'étonnerait que ce soit de la neige. Bizarrement. Apparemment c'est de la neige vu qu'il est la température est de 0. Je vais jeter un œil de plus près pour voir si je peux trouver un point faible. Attendez-moi ici. J'ai trouvé un chemin, je vais vérifier. Vous prendrez votre mal en patience. Étrangement, pas serein. C'était moins une, c'est pas passé loin. Je pense pas que je pourrais revenir par le même chemin. Je voulais parler d'un truc, mais je vais attendre que d'avoir fini cette partie-là. Je vais mettre en pause maintenant. Disclaimer. Si jamais je spoil des parties de films et que vous ne les avez pas vues, j'ai prévenu avant. J'ai dit à plusieurs personnes qui regardaient mon stream de regarder les films avant de me regarder jouer au jeu. Du coup, je vous donne ce conseil, allez vraiment regarder les films avant, au moins les trois premiers. Les quatre, donc Alien, le 8e passager, je crois que c'est Le Retour. Le troisième c'est... je me rappelle plus, je crois que c'est La Bataille Finale ou un truc comme ça. Et le 4 c'est Résurrection, si j'ai pas de conneries. Alors attendez, parce que je les ai dans mon... Fantasy sur celui qui... Alien. Alien le 8e passager, Alien le retour, Alien 3 n'a pas de titre personnalisé, Alien 4 la résurrection. Voilà, donc je vous conseille au moins de regarder ces 4 là. Le Prometheus et Covenant, vous n'avez pas du tout besoin de les regarder honnêtement. C'est des suites, parce qu'il fallait faire des suites entre guillemets, mais franchement c'est pas les meilleures suites que j'ai vues de toute ma vie concernant une saga. Du coup voilà, je vous conseille vraiment de regarder les 4 avant, pour comme ça, même si j'ai une connerie, et que du coup ça ne spoil pas un des films, je préfère que vous regardiez avant de continuer à regarder le let's play. Voilà. Du coup je ne suis plus responsable si vous vous faites spoiler. Bougez pas, je crois que j'ai trouvé quelque chose par ici. Pardon. Il y a une fissure dans la roche. Reculez, je vais la faire exploser. Boum. Allez, on continue.
Suivez-moi. Hey, c'est toi, fais-moi la courte échelle. Ils peuvent pas courir. Alors, si j'ai pas de conneries, si je dis pas de conneries, c'est la planète et le vaisseau que l'on voit dans le premier film. Je vais plus vite que eux, sérieux. Effets sur le casque avec l'espèce de neige. J'aime bien. Ah, ça marche pas avec lui. Oh, je suis déçu. La même musique que le film. Faites gaffe à ce que vous touchez. Surtout, n'abîmez rien, compris ? Cette balise et l'éteindre. Pas envie que d'autres glandus trouvent cet endroit. Foster, Haste, allez vérifier le souterrain. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est la première fois que je vois un truc pareil. C'est un
Sinon, il y a que Marc, ça choque l'espèce de trou gigantesque qui est à côté du cockpit. Ah, yes. J'ai plus de signal à l'intérieur. Oui, je sais, j'ai volontairement tourné dans le vide comme ça. Je voulais voir si j'avais trouvé quelque chose. Enfin, si j'allais trouver quelque chose plutôt. Je me demande ce que c'est ces machins. Je vais pas vous mentir, je suis pas du tout serein. Mix, j'ai trouvé le signal. Je vais aller jeter un œil. Oui, bien sûr, comme si tu savais qu'il fallait faire ça pour l'éteindre. Bien sûr, vraiment pour un con. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais la balise a arrêté d'émettre. J'arrive. Je suis absolument pas serein. Parce que vu que j'ai vu tous les films, plus les trucs qu'ils ont fait avec les Predators, plus les histoires des monstres, enfin des créatures, plus le fait que je suis un gros fan de films d'horreur, je sais très bien ce qui va se passer. Et surtout, vu que j'ai vu le film, je sais ce qui va se passer. Enfin, je crois savoir. J'ai une petite idée de ce qui va se passer. J'ai un t-shirt qui se colle à ma chaise. Je sais très bien ce qui va se passer. Enfin, je crois savoir ce qui va se passer. J'en suis presque. Putain, nom de Dieu. Oh bon sang. Non, je suis pas chaud là les mecs.
de Dieu. La logique, tu vois un truc que tu ne connais pas, tu sais pas ce que ça peut te faire, on y met la main. Oh bon Dieu. Tout. Où est votre vaisseau? Si on brise le verrou sur les communications, c'est quoi les codes pour le ramener en pilote auto? Si vous voulez savoir le reste, faites-moi d'abord sortir d'ici. Hors de question, Marlowe. Ah ouais? Bon, ben vous savez où me trouver. Oui, mon écran dans la tour Systec est en train de s'affoler. Il est ici. Plan B, au boulot. Quoi qu'il arrive, j'en suis. D'accord, c'est par là. J'ai quelque chose pour vous. Ouais. Là, je t'aime. Oh, j'espère bien que ça marche. C'est un animal. Les animaux ont peur du feu. Espérons. J'ai une combine pour le piéger. Allez prendre une navette de transit et rejoignez Ricardo à la tour Systec. Je m'occupe des coordonnées. Sens faible. Pourquoi t'es en mode combat toi? T'as cru que t'allais te friter contre quelqu'un toi? Fais gaffe. La violence. Moi? Jamais. Oh merde putain, il y a un terminal personnel, je l'ai pas vu. Forcément. Premier piège envolé. Waits, on a un piège en moins. La créature a allumé les explosifs qu'on avait installés dans la tour d'habitation. Des dégâts ont été rapportés au terminal des vols spatiaux. Je crois pas qu'on lui ait fait une seule égratignure. Il y a de l'activité à San Cristobal. Elle y est peut-être retournée. Essayez de vous rendre au transit de la tour Simed et priez pour que les capteurs de la réception du centre médical soient toujours en ligne. Cellule 2, Marlowe Henry, crime numéro... statut incarcération, n'importe quoi. Incarcération indéfinie. 18-11-2137, cellule 1, Tanaka, Mike... Crime numéro T342, ébriété et trouble à l'ordre, statut nuit en cellule de dégrisement partie avec un avertissement. 2-12-2137, cellule 3, Webster Robert, crime numéro 343, incident domestique, statut relâché à cause de la rupture de sécurité sur la station. De sauvegarde ici. Ouais. Comment ça ennemi proche? Pardon. Comment ça ennemi proche? Marshall? Quelque chose à dire pour ta défense?
peut pas détruire comme ça le détecteur. Il est fou lui. Mais comment ça, ennemi proche, c'est pas possible. Je suis pas dans une zone safe ici. Ouais, bah j'ai bien fait de pas y aller tout de suite. Alors. Confisqué, semaine du 11-11-2137. Marlo Henry. Munitions et armements variés. Marlo Henry. Cisaille à plasma niveau 3 interdite. Marlo Henry. Boîte noire appartenant à Weyland Yutani USCSS Nostromo. Marlo Henry. Montre, portefeuille et effet personnel. Marlo Henry. Suspicion de contrebande de denrées médicales. Pharmax Naprolève. Pas de cachet de taxes. Accès au fichier impossible, évidemment. Une sortie. Une sorte de parasite, pardon. Jamais vu ça. C'est une sorte de parasite inconnu. J'ai vérifié vite fait le nom qu'ils m'ont communiqué, mais rien n'apparaît dans les fichiers de Sébastopol. Je pense qu'elle est montée à bord il y a peu. Est-ce que vous savez quelque chose? Je n'ai aucune idée de ce que Sinclair et ses hommes fabriquent, mais ça aurait dû être signalé pendant la quarantaine. Qui sait ce qu'ils ont laissé passer d'autre? La patiente m'attend avec son capitaine dans la salle d'examen. Ramenez-vous maintenant. Ça pue cette affaire, je te le dis, moi. C'est quoi ce combi là? Frère, on me fait pas des frères comme ça. Faudrait qu'on discute de ce qui s'est passé à San Cristobal. C'était pas beau à voir et je comprends bien que tu veuilles pas faire de vagues et que ce soit géré le plus vite possible. Mais je veux m'assurer que tu fasses rien d'y réfléchi. Je veux dire, on peut choper le spécimen vivant. Si on la joue finement, on pourrait s'assurer des jours heureux. J'ai des contacts, Waits. Je peux arranger ça. T'es plutôt jeune, Waits. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire quand Sébastopol fermera? T'as mon numéro. Ransom, terminé. Ils veulent encore la garder vivante? Mais vous êtes sérieux? Mais faut la tuer, cette bestiole. Faut tuer l'alien. Bande de cinglés. Elle était pas censée... Attends, il était pas censé être avec elle, Samuels? Apparemment, on peut pas lui parler. Il y a d'autres sous morphine. Oh bah attends, vu que toutes les portes sont ouvertes, hein, on va y aller. On va... fouiller. Y'a rien ici, tu te fous de moi? Sérieusement? Oh, je suis déçu. T'as vraiment une sale gueule, toi. Attends, c'est quoi? Ah, fumigène, je l'ai déjà. Oh, j'avais pas pris ce qu'il y avait là-dedans. Honte à moi. Par contre, ici, j'y accède comment? Par contre, le Marshall, je vous le dis, il est chelou. Ennemi proche. En plus, c'est au pluriel, donc c'est possible que toutes ces personnes qui soient là, je doive les buter au bout d'un moment. Samuel, c'est d'accord? Il a dit qu'il voulait... filer un coup de main, et moi j'ai trop de choses à faire. En plus, c'est un synthétique. Ça devrait être facile pour lui d'y entrer. Je suppose. Écoutez, Ripley. Samuel, c'est un synthétique. Empêcher cette créature de plonger Sébastopol dans le chaos. C'est trop tard pour ça, Waits. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller tuer cet enfoiré. Pourquoi ça m'étonne pas en fait? Enfin, ça m'étonne pas plus que ça.
Je suis moyennement choqué du fait que ce soit un synthétique. Niveau de sécurité trop élevé. Bah oui. C'est parce que j'ai mis sur le message sur Discord, c'est ça que tu viens? T'as pitié de moi? Même le bot il a pas parlé pendant une heure, c'est quoi ces conneries? Le bot il me trigger. Bizarre. Ah bah tiens, je m'en serais douté. Je suis dans la tour. Ça va. Ça va, ça va. Je vais mourir dans le jeu, mais. Tranquille, oublié, hein, comme on dit. T'es toujours en vacances toi. Ah non. C'est les seules vacances que j'ai. Ah bon? Je suis vraiment revenu là. Dans la mouise. Ah, quoique, attends.
Ah ouais. Aucune réaction, sérieusement. Ils réagissent pas, sérieusement? Je suis mort. C'est moi qui l'ai vu. Bah voyons. Bisous. Ah fuck. Putain. Alors attends, parce qu'il y a un problème. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Allez, au centre du serveur. Ah, je vois bien. Comment? Faut que je passe par les étages? Je pense que 3 émetteurs ça devrait le faire, non? 3 émetteurs de son. Oh sa mère. D'accord. Bon. Mais apparemment c'était là qu'il fallait que j'aille. Attends, c'était vraiment là qu'il fallait que j'aille? Pas du tout. Non, le Xeno, tu me fous la paix. Ils sont bien mignons, les bonhommes, mais j'y vois rien, moi. Wait. Où c'est que ça va être? Ça? Je perds de la vie ou pas? J'ai pas l'impression. Tu peux regarder ma jauge de vie si elle bouge ou pas, s'il te plaît. Parce que j'arrive pas à me rendre compte si je perds de la vie ou pas. Localiser, activer le système anti-incendie. Bah ouais, t'es mignon mon garçon, mais il faudra peut-être me donner une idée d'à quoi ça ressemble. Là. Et j'ai l'impression que mes PV ont bougé. Je vais en faire deux.
Voilà. Wait. Qu'est-ce qui cloche avec cette station? Elle a jamais vraiment bien roulé. Mais à cause du démantèlement, il y a plein de systèmes qui ont dû fermer. Ajoutez à ça le fait que tout le monde est trop occupé à essayer de rester en vie plutôt que de faire tourner la baraque. Et c'est le bordel. Bah t'es mignon, mais la prochaine fois, faudra peut-être que tu me préviennes qu'il y a un truc qui va me sauter à la gueule. Par contre, ils sont flex, hein. Rien à battre, hein. Vraiment. Ah mais attends, mais je suis con, j'ai le lance-flamme maintenant. Je peux le faire reculer, je crois, en faisant ça. J'aurais pas... Il est où? Je l'ai vu. Je sais pas où il est. Je sais pas s'il est allé vers mon piège. Vas-y, viens, je t'attends. Shit.
Pardon. Waits, la créature. Comment on fait pour l'emprisonner ? La tour a été construite pour traiter les composés chimiques précieux trouvés sur la géante gazeuse. Des mesures de précaution contre le piratage sont toujours en place. On peut sceller la tour, les conduits, les portes, tout. Donc, vous construisez une cage autour de la créature. Et ensuite, Ricardo l'enferme. Recule. Recule. Je vais pas te mentir, j'étais pas fier là. Oh oui, bah bien sûr, bah oui, bah. Putain, mais quel con. Quel côté, elle est en haut ou en bas par rapport à moi? Elle est là. L'entrée devant est condamnée. Utilisez le terminal à la réception pour ouvrir la porte. Tika, t'es toujours là ou t'es décédé? Elle est décédée. Reste une piste, Tika. Aller dans le bon sens. Elle a quand même un sacré courage. Ah oui, il m'a dit d'utiliser le truc de la réception. Quel con.
Quelqu'un a dit à ces gens que Sébastopol est en route pour la case, pas vrai. J'annoncerai un message d'Ellison de la finance Hickson. Est-ce qu'on pourrait réparer le sèche-main dans les toilettes? Mon cul, oui, la prochaine fois que ce genre de requête merdique est reçue, renvoyez-la direct. On est en phase de démembrer cet endroit, pas de le rafistoler. Bon, vous savez quoi, je vous laisserai les lire, hein, les trucs. Ricardo finalise le verrou. Vous devez fermer les portes de sécurité tout autour de l'escalier. Ensuite, les portes de l'entrepôt des provisions. Les portes de l'accès à la maintenance et à la réception du centre du serveur. Faites un compte rendu en même temps que vous progressez. Il nous sort des phrases, des androïdes, par moments c'est grave. Barrer l'accès à l'escalier. Ah, je vois bien. Ça à l'escalier, ouais, je vois bien. Comment? Ah, attends. Merde. Ah, là. Les pauvres. Hop. C'était quoi ce bruit? Là, je suis vraiment me demander s'il me suit. Hein. S'il me suit ou pas. Mazette. Elle est emmenée et moi, j'ai rien pu faire pour l'en empêcher. Elle a d'abord dépecé Doug, ensuite, elle a coupé Liam en deux et l'a jeté sur le côté comme une poupée. Et puis elle a coincé Emma, j'étais dans l'ombre, du coup elle m'a pas vu. Emma m'a pris ça, prenez les armes. Con ou quoi lui? Eric, tu m'entends? Eric, les putains de coms sont encore bousillés. T'es là? Eric, ici Lincoln. Tu m'entends? Je suis descendu à l'assistance technique. J'ai chopé quelques conteneurs à eau et des boîtes de piles. Oh, et deux ou trois outils aussi. Plein de choses ont déjà été pillées, je vais essayer de forcer le coffre. Je crois que c'est là qu'il garde les instruments de piratage. De sécurité, on pourra en utiliser un, mais je ne vais pas m'attarder ici trop longtemps, il y a quelque chose, mon sang, je sais pas trop. Ça fout grave les jetons ici, je veux remonter au fret. Appelle-moi si t'écoutes ça, ok? Ok? Puis entendre le xénomorphe qui est dans le coin en mode « Oublie pas que je suis là mon con ». T'inquiète pas, je vais pas t'oublier, ma grosse.
C'est quoi ce machin? Ah, c'est ça? Entrepôt des provisions verrouillées. Super. Ah, putain, il me faut une carte d'accès, une merde. Quoique... Quand tu veux, tu t'ouvres, toi. Non, non, ok, d'accord. Faut le voir. Oh, oh, saloperie, j'étais pas prêt à ce qu'elle arrive là. Sale bête! Oh le réflexe de monstre! Oh je me suis tapé un réflexe! Non, il n'y a qu'un chemin et il me faut une carte. Casse-toi. Ah putain, elle était là, la porte, je l'ai pas eue. Au groupe du camp, on ne peut pas maintenir une veille constante 24h sur 24, 7 jours sur 7. Mais avec les gardes volontaires et les systèmes de sécurité déjà en place dans la tour, on peut faire en sorte qu'elle soit impénétrable à partir de maintenant. Plus question de veiller les stores de sécurité pour personne. Et toutes les tournées d'approvisionnement doivent passer par moi. On peut s'en sortir, les gars, Thompson. Je sais pas combien de temps je vais tenir. On est à l'étroit, c'est ça, les ordures commencent à pourrir. Je sais même pas si on est vraiment en sécurité ici. La semaine dernière, Carter et Thompson sont revenus de leur mission de reconnaissance avec des armes et je commence à voir certaines personnes dans notre œil. Peut-être que cette femme, Winters, avait raison.
Donc je crois que l'androïde vient de se faire bouffer. Enfin bouffer. Il vient de se faire déglinguer par le xéno. Par contre, le lance-flamme, ça part à une vitesse. Oui, bah, tu permets, Sinclair, j'ai vérifié les rapports déclarant que vos hommes et vous tirez sur des civils et volez les provisions. Quand j'aurai trouvé un moyen de tuer ces créatures, j'espère vraiment qu'elle vous trouvera en premier. Sinclair, je sais qu'on n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde. Depuis que votre équipe de sécurité Sixon et vous avez débarqué sur Sébastopol. Mais nous faisons face à une situation très grave en ce moment. Il faut qu'on unisse nos forces. En échange de votre coopération totale, je suis prêt à laisser tomber mon enquête concernant votre implication dans un trafic au marché noir. Non enregistré d'abandonner les Charles que je détenais contre vous et vos brutes qui opéraient dans le bureau de Marshall de la tour Systech. Faisons ça correctement, Marshall Waits. Apparemment, elle les a trouvés. D'accord, je suis revenu là. C'est un peu space. Hein. Là pour le coup cet épisode, je sais qu'il va pas être fort en action, enfin en émotion, quoique.
te reconnais, toi. C'était Nalu! Ah merde! D'accord. Oh putain. Oh non, sérieux. Oui. Ça, j'allais sauvegarder ici, j'ai cru que j'allais retourner encore plus loin. Ricardo finalise le verrou. Vous devez fermer les portes de sécurité tout autour de l'escalier. Ensuite, les portes de l'entrepôt des provisions, les portes de l'accès à la maintenance et à la réception du centre du serveur. Faites un compte rendu en ça même temps pas que vous. Ça va les potes qui passent à travers? Il va lui tomber dessus ou... Jamais serein quand il fait ça lui. Ouais, d'accord, et encore un compte de type pas très catholique. Oh, Bichette! Je vais mourir, Bichette! Putain, il était là le verrou. T'as vu Bichette? J'ai un lance-flamme Bichette. Je peux lui cramer la gueule à l'alien, je peux. Vous faites
d'enregistrement pour ceux qui étaient absents quand ça s'est passé. Je ne peux dire qui s'est échappé. Il y a des corps. Les autres ont été pris dans des conduits. Un par un. Les portes étaient verrouillées, mais pas les conduits du plafond. Il n'y avait aucune issue de secours. Non, je peux pas le tuer. Les faire sortir. C'était comme lâcher un loup dans une bergerie. Vous et moi, on n'a que deux options. Le camp des gentils qui font encore confiance au Marshall, au centre commercial. Et puis, il y a Sinclair et ses crétins de sbires armés quelque part dans les quartiers. Je leur laisse moins d'une semaine. Alors là, du coup, le morceau que je voulais, il était là en fait. Je suis passé à côté, j'ai même pas fait gaffe. Accès à la maintenance verrouillée. Viens faire un bisou à papa. Viens faire un gros câlin. Bien chaud. Ah mon cochon. Non. T'as pas envie de me faire plaisir, le Xeno? Non, bon, tant pis. Tant pis. C'est pas bon à manger ce genre de truc, Bichette. Son sang est acide. Dans la vision d'ensemble, chaque détail a de l'importance. Ouais, d'accord. Comment puis-je vous aider? Si t'arrives à tenir le xénomorphe à l'écart de moi pendant quelques temps, ça m'arrangerait, mon con. Mais... tu l'égorges comme un cochon la tête en bas. Non, mais tout son sang est acide. Ça sert à rien. Des provisions verrouillées. Super. Viens, je t'attends. Viens là. Viens. Viens, je te défonce. Eh, tu disais à un alien farci. Ça va être un alien flambé le machin, je te le dis. Ouais, mais ça me dit pas où c'est que je suis allé maintenant. Tu peux me la faire sortir sans moi. Je ne me rappelle pas vous avoir rencontré avant. C'est pas grave que tu te rappelles pas m'avoir rencontré, mon con. Par contre, il fait tout noir d'un coup là. Il est juste à ma gauche. Viens, mon cochon. Viens. Alors toi, mon con, je te le dis tout de suite, tu vas crever. Hein. Et on sait très bien pourquoi.
77-89. Le Deus Ex Machina de l'ordinateur. Avec l'ordinateur, je suis invisible et invincible. Pardon. Sept, sept, huit, neuf. Jules, ici Ransom. Je viens de recevoir votre requête. Oui, j'ai bien des archives. Dégage. J'ai effectué quelques décryptages. Je cherche des rapports d'un équipage qui ont été captés par Sébastopol il y a des années. Je sais que vous faites du monde. Donc, histoire ancienne. Il s'en prend pas. J'ai besoin de savoir certains trucs. C'est à propos d'une transmission de données pour la compagnie émise aux abords de Tenus par un vaisseau. Avant qu'il entame son voyage de retour, ça casse pas trois pattes à un canard. Ceci dit, cette explosion, on a besoin de savoir. Hein, si vous balancez, attendez-vous à des représailles. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses que Marie ignore, pas vrai? Laissez-les faire leur décodage et mettez-moi au courant quand ils auront fini. On peut garder ça dans le domaine civil. Activez la commande d'annulation de Ricardo. Je veux bien mon con, mais. Je le fais comment ? Pourquoi j'ai enquêté ? Ah, ok. C'est bon, je l'ai fait. C'est ta mère, t'as fait les gaufres. Ricardo, réception du centre du serveur bouclé. Tu vas crever, toi. Va dans la grappe de serveur, discretos. La grappe des serveurs. Frère, t'as cru que j'avais mangé du raisin ou quoi J'ai cru qu'il allait tenter de me frapper. J'ai failli lui mettre un taquet. J'ai prévu une fermeture d'urgence sur le terminal dans la grappe de serveur. Il faut la déclencher de là pour t'enfuir. C'est bien, j'ai vraiment entendu ce qu'il m'a dit. Oh, un émetteur de son V2. Oh, un point de sauvegarde. Oh. Toujours là, Bichette, ou t'as fait une crise cardiaque?
bruit strident. Merveille. Je l'ai vu, tu l'as vu, nous l'avons vu. Que je dois aller. Pas vraiment, non. J'adore comment il se déplace. Tu vas me dire que tu m'as pas vu là, vraiment? Il m'a pas vu, sérieusement? Wesh. Dégage. Dégage. Cette bichette, il est mort aussi. Il a fait une crise cardiaque. Il en pouvait plus. Il aime pas les jeux d'horreur, il en est mort. C'est terrible. C'est pas la peine de me répéter mon objectif, hein, je l'ai retenu. Hein. Putain. Tiens, il y a du gaz. Ça dégaze. C'est ça, faut que j'utilise. Allez. Et bim! En fait, il m'avait pas utilisé comme un pas, hein?
Ricardo, est-ce que t'as du nouveau? Il faut plus de temps. Mais j'ai pas plus de temps. Tête de mort, il voulait que je crève en fait. Où ça? Où? Ici? Ici. Salut Kerry. Putain, j'avais même pas eu ton message, excuse-moi. Ça fait 2 minutes que t'attends ma réponse, ma pauvre. Oui, va regarder Alien. Non, je veux pas passer par les conduits, ça meurt au moins de me faire bouffer. Bisous, Kerry. Ça devait pas être verrouillé ici à l'origine. Pardon. Comment t'as réussi à l'ouvrir? J'ai dû éliminer l'alerte. C'était la seule façon de la faire sortir. Tu l'as laissé s'échapper. On l'avait renfermé et tu l'as laissé s'échapper. Ripley, il vous suit toujours. Par où je vais? Prenez l'ascenseur jusqu'au labo Gemini. S'il vous suit, on pourra toujours le coincer là-bas. Trop gentil. Ricardo, quoi qu'il arrive cette fois, on peut pas le laisser s'échapper. Gros con. T'es avec moi ou t'es contre moi, toi? Tu m'aurais déjà attaqué si c'était si t'étais contre. Voilà. J'ai pas peur d'en faire usage. On n'est pas obligé d'en arriver là. Vous m'avez oublié. Bon bah elle était pas avec moi. Et l'autre qui arrive. Et merde. Là, j'ai bien fait sauvegarder avant. Oh, une main. Bleh. Oh, embrasse-moi, grand fou. Bleh.
Bon, de toute façon, vous savez quoi? On va s'arrêter là. C'est pas grave, bichette. Bah, du coup, vu que tu viens de revenir, on va continuer un petit peu. Je suis où là? Ah oui, ok. Non, mais je vais continuer un petit peu vu que tu viens de revenir, bichette. On va arrêter à 19h. Comme ça, au moins, on aura un petit bon. C'est pas ouf. Bon, du coup, nota bene, la gonzesse n'est pas avec moi. D'accord, faut que je le l'arme comme un pistolet quoi. Cool. Apprends à lancer replay, s'il te plaît, quand même. Non ! Ça, c'est bâtard. Il avait mis le feu ! Allumez le feu. D'accord, donc quand il est dans une cinématique de agression... On peut rien faire, très bien. C'est pas gentil d'être méchant. On va y arriver, hein. Ricardo, comment t'as réussi à l'ouvrir? J'ai dû éliminer l'alerte. C'était la seule façon de la faire sortir. Tu l'as laissé s'échapper. On l'avait renfermé et tu l'as laissé s'échapper. Ripley, il vous suit toujours. Par où je vais? Prenez l'ascenseur jusqu'au labo Gemini. S'il vous suit, on pourra toujours le coincer là-bas. Ripley, Ricardo, quoi qu'il arrive cette fois, on ne peut pas le laisser s'échapper.
Comment il a su que j'étais là? Comment il a su que j'étais là? De PS2. Faut que j'aille de quel côté? Je crois aussi, mon con. Je crois qu'on va plus s'entendre du tout, toi et moi. Allez, Grochet. Ça va continuer, ouais. Tu veux pas que je te... Ne lis pas à voix haute le dernier mot. Je suis à Gemini, Wait. Il faut qu'on remette le courant dans ton bâtiment. Vous allez devoir utiliser le mot de charge. Mais il n'a pas marché depuis que Sixon a arrêté de financer les recherches de Gemini. Bon, maintenant on va pouvoir s'arrêter. Oh bon, en plus 19h pile. Yeah! Du coup, merci d'avoir regardé cet épisode. Commence à faire tout une ordre. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je n'oublie pas, pour ceux qui regardent la rediff le jour même où j'ai streamé, donc après, que je, vendredi, samedi, dimanche et lundi... vendredi à partir de... Bah, quand j'aurai fini le taf, je ne serai pas dispo. Lundi, enfin jusqu'à lundi, je ne serai pas dispo. Je sais pas si on aura un stream sur Cash lundi, sinon je le ferai mardi. Voilà. Un grand merci à Bichette, à Kairi et à Tika d'être passé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée selon l'heure à laquelle vous aurez regardé cet épisode. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, os.